لوريجيونال أفيك أحمد، الجودة شعارنا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل جديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل زر الجرس، ولا تنسى دعم المحتوى بالضغط على زر لايك. Bonsoir à ceux et à celles qui veulent améliorer leur français. Vous êtes dans la playlist Le français pour tous sur la chaîne Le Régional avec Ahmed, une chaîne qui vous aidera à réaliser votre objectif, Inch'Allah. Nous avons ici un texte. Comme vous le voyez, le titre est L'arrivée au lycée. L'arrivée au lycée. Bien. Jetez un coup d'œil sur le texte. Nous avons ici les mots. Plusieurs mots traduits en arabe. La même chose ici. Et voilà, c'est la fin du texte. Non, désolé, ce n'est pas encore la fin. Il nous reste un autre paragraphe. Voilà, d'autres mots traduits. C'est le dernier paragraphe. Vous voyez ici le nom de l'auteur, le titre du livre dont est extrait le passage, l'année de la publication. Ici, également, nous avons la traduction en arabe. Alors, un deuxième coup d'œil sur le texte. Voilà. Très bien. C'est bien. Dans l'image ici, nous avons un écolier ou bien un étudiant ou bien un élève. Bien. Avant de lire le texte, nous allons répondre à quelques questions. Question numéro 1. Quel est le titre de ce texte? Comme vous pouvez le remarquer ici, le titre est L'arrivée au lycée. L'arrivée au lycée. Donc, j'écris le titre et l'arrivée La deuxième question. Combien de mots y a-t-il dans le titre? Combien de mots y a-t-il dans le titre?
Voici le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot et le quatrième mot. Très bien. Donc, le titre contient quatre mots. Bien. La troisième question. Combien de paragraphes lisons-nous? Combien de paragraphes lisons-nous? Ceci est un paragraphe. Ceci est un paragraphe. Premier paragraphe. Deuxième paragraphe. Troisième et dernier paragraphe. Un paragraphe. Donc j'écris aussi ici. Nous lisons trois paragraphes. Trois paragraphes. Très bien. Quatrième question. Quelle est l'œuvre d'où est tiré le texte? Quelle est l'œuvre d'où est tiré le texte? Je reviens à mon texte. Je vois ici la fin. À la fin, nous avons le titre de l'œuvre d'où le texte est extrait. Une année chez les Français. Une année chez les Français. Le texte est extrait de une année chez les Français. Une année chez les Français. Qui a écrit ce texte? Qui a écrit ce texte? Je reviens à la fin du texte. Je cherche l'auteur du texte. Alors, c'est Fouad Laroui. En arabe, Fouad Laroui. Fouad Laroui est un écrivain marocain contemporain. Il écrit des livres en français. Alors, c'est un écrivain d'expression française. J'écris la réponse. C'est Fouad Laroui qui a écrit le texte. 6. Quand le texte est-il publié? Quand le texte est-il publié? Je reviens à la fin toujours. Regardez ici, nous avons 2010. L'année 2010. Alors, j'écris. Le texte est publié en 2010. Est-il une histoire vraie? Est-il une histoire vraie? Alors,
Dans le texte, aucun indice ne montre si l'histoire est vraie ou bien imaginaire. Or, dans la première de couverture de ce livre, le genre est mentionné comme suit. Un roman. Alors, c'est une histoire imaginaire. C'est une histoire imaginaire. Non. C'est une histoire imaginaire. Imaginaire. Huitième question. De quel événement s'agit-il dans le texte? De quel événement s'agit-il dans le texte? Je réponds. Il s'agit de l'arrivée au lycée. Il s'agit, comme le titre le montre, il s'agit de l'arrivée au lycée. Il s'agit de l'arrivée au lycée. J'écris. Il s'agit de l'arrivée au lycée. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette première vidéo. La prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons travailler sur le texte. Nous allons lire le texte et répondre à d'autres questions, faire d'autres exercices. Au revoir.